En tout cas, ce que je peux dire sur la saison 2 du Decipher, c'est où est-ce que vous avez mis les doigts. Vous avez mis les doigts dans les fesses de combat. Oui, les gars, ici, Juicy on the beat, compositeur, beatmaker, producteur. Je participe au Decipher saison 2. J'étais pas vraiment dans une optique de devenir beatmaker. À la base, c'était mon grand frère, lui aussi, c'était beatmaker rappeur. En fait, c'est grâce à lui que je suis vraiment rentré dans le monde du beatmaking, essayer de composer et tout. Et ma première prod, j'ai eu à la composer, je dirais, 2014-2013. Donc, je pense que ça fait entre plus de 10 ans. Plus de 10 ans que je suis vraiment dans le beatmaking et tout. C'est vrai qu'il y a eu certains moments où j'ai un peu lâché le beatmaking, mais sinon, par rentré, ça fait 10 ans. Trap, de la drill, ça m'arrive de faire un peu de l'afro, un peu du R&B, mais sinon pas. La plupart de mes prods, c'est mes compositions propres de kickage, trap, rap, vraiment, c'est mon compositions, mon style. Bon, pour la saison 2, j'ai composé la prod de l'épisode 4 et la prod du générique aussi, que vous entendez tout le temps. La prod de l'épisode 4 que j'ai composé, bon, à l'époque où je l'ai composé, j'étais vraiment dans un délire genre Leto, Nino. C'est vraiment dans ce genre de délire qui part dans du sens de leur flow en fait. Une prod un peu qui cache, qui pousse à l'artiste vraiment de lâcher ce qu'il a, de lâcher ses meilleurs punchlines, ses meilleurs flows, ses meilleurs rimes. Je pense que vous allez le remarquer quand vous allez découvrir les freestyles, les participants et tout. Il y a des artistes qui sont sur le projet, qui sont forts, et il y en a d'autres qui sont moyens. Donc du coup, la différence de niveau, il y en a. Il y a vraiment une différence de niveau sur tous les 4 épisodes en fait. Ce que je peux dire sur la saison 2 du Decipher, c'est où est-ce que vous avez mis les doigts. Vous avez mis les doigts dans les fesses de combat. Et sachez que, on vous a préparé un octogone parce que ça va péter. Vous allez fouiller. C'est dans le Decipher là, vous allez fouiller. Parce qu'il faut assumer vos dires. Profitez des épisodes à venir les gars, en ensemble.